Bon bah bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est sur un étang communal comme la dernière fois. On avait fait deux petites carpes. Dans cet étang on pêche souvent. Donc les poissons qu'il y a dans cet étang, des amours blancs, des carpes. Et on nous a annoncé ce matin qu'il y avait eu du silure. Qu'un silure a été remis à l'eau. Mais le président de cet étang ne veut pas de silure dans l'eau pour... Parce que ça mange tous les poissons blancs pour les pêcheurs au cou. Donc en même temps on va essayer de. Liam va essayer de faire une canne exprès pour le silure, pour essayer de le prendre. Car si on arrive à l'attraper, on a une carte à l'année pour l'année prochaine gratuite. Donc on va essayer tout ça. Donc moi je vais pêcher à 3 cannes. 2 cannes sur notre poste habituel et une canne dans un courant central beaucoup plus loin à l'opposé de nous. Donc les appâts que je vais utiliser, ça va être des Hot Demon, le classique, avec un petit sac soluble. Dedans j'ai mis du mix Hot Demon avec des petits pelés de 6 et de 8, de 4 et de 8, avec une Hot Demon comme échage, avec un plomb de 71 grammes. Montage banal, licor 50 cm, clip plomb. Donc voilà, l'autre canne je vais la mettre à la zecel de chez Mainline avec un petit grain de maïs comme la dernière fois. Alors pour notre amorçage, pour la canne zecel je vais amorcer au baby corn et au pelé scopex. Et pour ma canne Hot Demon je vais amorcer avec un peu de billes et des pelés. Donc voilà, maintenant Liam va vous présenter... Moi je vais vous faire un stick. En direct, je vais vous montrer comment on fait un stick. Parce que je me fais des sticks pour essayer de prendre le silure. Puis sinon, je pêche l'essentiel IB de chez Mainline. Avec un petit stick, des sticks que j'ai préparé. Et puis je vais pêcher avec ma troisième canne à Tiger Nuts, à mon endroit habituel. Je vais vous faire un petit stick. J'ai mis des petits. J'ai coupé en deux des billes psycho de chez Big Carp. Puis j'ai pris des pelés comme le nacien de 4 et de 6. De 4 et de 6 mm. Faire voir un peu ton amorçage. Donc voilà l'amorçage de Liam, ce qui nous parlait. Hop. Non, il va nous faire son stick. Enfin son petit stick, on va dire un gros stick parce qu'ils sont assez. Ouais, je l'ai fait assez gros, comme ça j'ai pas besoin de relancer trop ma canne dans la journée si je le prends pas. Tasse bien. Et après hop. Hop là. En même temps t'as qu'à expliquer comment tu fais. On tasse bien avec le... Le tasseur. Le tasseur. Puis quand ça arrive au bout, on tourne. Hop. On tourne pour que ça reste bien serré à l'intérieur. Puis après on lâche du mou. Pour faire notre nœud. Hop. Fait comme ça. Hop. Puis on appuie bien sur le bout pour que le nœud soit bien. Voilà. Maintenant on coupe. Voilà. Le stick est prêt. Plus qu'à pêcher. Bon alors on va poser les cannes et puis on vous retient au courant. A tout à l'heure. A tout à l'heure.
Deuxième départ pour Donatien, parce que le premier on n'a pas eu le temps de le filmer. Ça lui a fait une belle touche retour. Oui, alors à The Cell de chez Manline. À The Cell de chez Manline. Ouais. Ouais. Mais pas encore à la semaine. Cette fois à la Zocelle. Zocelle, chemin de l'air. Je prends un peu. Moi j'ai une bouillette. Tiens. Ils ont de la poigne, bah putain. Oui. Ouais. Ça va bien quand même. Ouais, vas-y, on coupe, on va remettre après. On coupe et on met après, comme d'habitude. Bon bah voilà, deuxième poisson de la session, petite commune. Je l'ai faite à la The Cell de chez Manline, avec mon amorçage Scopex que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc elle m'a fait un super combat. Elle m'a fait une touche retour, donc je l'ai fait après. Donc voilà, donc on va la remettre à, on va prendre les photos et on va vite la remettre à l'eau. Ouais. Troisième départ pour Donatien. Ouais. Bah une autre commune, plus jolie cette fois par contre. Prise à la départ sur la Zetel. Non, elle est belle. Non, c'est une commune. Au début, je crois que c'est un amour. Donc, elle m'a fait un super départ. Ouais, le fil s'est bloqué dans le détecteur, je sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Le rotpod il a pas bougé ça. Non, si. Non, non. Bon, la canne a failli valser. Bah ouais. C'est parce que c'est quand j'ai ferré. Le quoi celle-là? De celle encore. Ça ouais, ça marche super bien. Elle est pas tellement plus grosse. Ah si, 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 un peu quand même. Chose. Un peu plus belle que les autres. Ouais, je pense que c'est plus. Ah si, si, si. 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 Ouais, fais les. Oh, oui, au moins. Tu vois, tu penses que c'est dormir. Ouais, pas de touche, pas de touche. Non, bah après je prends aussi les sauts là. Ah ouais, tu vas essayer. T'as quoi comme bille? Tu vas la prendre. T'as quoi comme bille? Je suis là sur toi. J'ai vu les comics, j'ai des Outdemon. Mais ça il a Outdemon. J'ai des Outdemon. Bah ok, je peux t'en passer quelques-unes si tu veux. Ouais, sans que t'as à partir. Ah ouais, tu pars bientôt. Ouais.
En 2 heures, je pense. Mais... ouais. C'est vraiment... vas-y, il y a beaucoup. Bah voilà, troisième poisson de la session. Une petite commune, une jolie commune de 7,1 kg, prise à la The Cell. Elle m'a fait un super départ. Beau petit combat aussi, petit combat de 5-10 minutes. Super bécaillage, pas abîmé, franchement magnifique. Donc on va prendre les photos, on va vite la remettre à l'eau.